Salut à tous, c'est Harmonium, petite partie encore sur Heroes of the Storm. Là, je suis retourné sur mon guerrier, donc là, ça va être pas mal. Alors, on a qui dans l'équipe? Thrall, Vala, Lunara et Tyrand. Alors, on va faire de bons combos avec ETC, donc... En plus, ils ont Shen comme guerrier, donc Shen, un petit stun quand il boit, et puis là, c'est terminé pour lui, quoi. Donc ça devrait être fun. Je suis tout seul en bas moi, c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu que quelqu'un soit avec moi pour faire des combos. Mais c'est pas grave. Là on joue un taureau heavy metal. En avant la musique. Ah, d'accord, c'est le nouveau personnage, Gristet, qui est contre moi. Bon, c'est pas grave. S'ils sont deux en bas, c'est qu'il y a moins de monde d'ailleurs. Fasse gaffe Thrall quand même. Il va nous lancer un flacon, faut faire gaffe. Prends-toi une fontaine de soins. C'est un ordre. En avant la musique. Là elle meurt. Voilà. Là, au moins qu'un guerrier, ça permet vraiment de faire plein de kills quoi. J'adore vraiment ce perso. Il va lancer un flacon j'imagine. Non. La fontaine dans pas avant une minute. Est-ce qu'on peut faire des kills avec l'équipe là? Oui, il est mort lui. J'attends qu'il boit. Non, bah finalement j'ai pas pu. Là on se démerde très bien. Bientôt au niveau 5. Héros, offrez-moi un tribut pour obtenir ma faveur. Je m'en charge. Moi je me prépare à les accueillir. La fontaine va être prête dans 10 secondes. Allez, survie Lunara. Bâton en retraite. Ouh. Non, non, on va leur laisser là. Non? Alors lui, je l'ai poussé dedans. Lui. C'est comme si j'y étais. Oh oui, c'est pas mal leur tournement de situation là. Alors lui, si on le tue, ben, faut pas déconner quand même. Un coup bien placé. Vas-y, je le prends aussi avec eux. De toute façon, je vais TP après. Bon bah c'est cool. Premier tribut, on l'a obtenu. Ouais, il y a Bourbi qui fait sa vie. Il va nous faire chier au niveau d'ici, prend le stun. Voilà, j'augmente la portée du recul de 50%. Oula, il y a une chouette qui arrive. Qu'est-ce qu'ils vont là? Je suis en plein dessus, quoi. C'est pas facile hein, quand on regarde la carte de savoir où la chouette elle arrive.
Ils sont trop au milieu, je sais pas ce qu'ils font. Ils perdent de l'XP en faisant ça, mon avis. Y'a personne en haut? Si, y'a Bourbi. Ouais. Rempli, réglé, chose. Voyons qui rassemblera un tribu suffisant. Ok, tribu, je vais ping. Parce que des fois les gens oublient d'y aller. Je reste à côté de Vala parce qu'on sait jamais ce qui peut lui arriver. Il a toujours pas bu. Donc il est vraiment en mousse, hein, Chen. S'il boit pas, il meurt. Et dans la merde, Tian. Elle fera mieux de focus Lunara, elle fera mieux fait de focus au lieu de Bourbi, le mec en mousse. Je dois me sortir de là. Ah bon, on a eu le tribu. Non bah très bien, j'avais pas vu. Genre ah non mais ça les tours elles font plus rien maintenant. Ah bah elles sont plus de munitions. Ah je vais mourir. Ah les tours depuis qu'ils ont augmenté le scaling des persos elles sont devenues beaucoup moins dangereuses. Bon bah finalement s'il meurt c'est pas mal. Sauvez Tyrande. Bon bah c'est pas mal. Bon par contre ils sont au niveau 10 quoi. Moi faut que je mette Tyrande dans mon pogo moi. Et peut-être Bourbi aussi. Vos insignifiantes disputes me fatiguent. Ok. Rassemblez le tribut. Gagnez mes faveurs. Allez, venez tous. Lui on tue. D'entrée de jeu, comme ça. Ouais, c'est pas super. C'est dommage, on n'a pas de truc de zone. Non, non, donc tu vas pas faire chier Lunara, toi. Mais non, reviens pas, Lunara, ne reviens pas. Elle va se faire tuer, je le sens bien. Lunara, elle a 2 PV, quoi. C'est bien un perso qui doit se barrer et jamais revenir. C'est bien elle, quoi. Lui on peut le tuer lui. Je m'en charge. Il y a le tribut, faut qu'on y aille. Bon là c'est énorme. J'attends qu'il boit. Ah d'accord, il fait son invul. Je les empêche de jouer. Elle meurt dans 4 secondes. Si elles reviennent, j'ai le pogo de up là. C'était bien. Mortel. Massacre.
fait le boss. Ah, c'est une très bonne opportunité de faire le boss. On a tout ce qu'il faut là. Et après on fait le leurre. Normalement, une bonne idée. Je fais marche arrière, mais je reviendrai en force. Il va être obligé de défendre. Par contre, j'espère qu'ils vont venir, les gens. C'est comme si j'y étais. Non ? Ah, ça, c'est du soin. Alors là, balance un loup, balance un loup. Alors là, là oui, là, faut le faire tout de suite, le boss. Qui se sent être un trou bien placé. Que la malédiction soit levée. Jusqu'à ce que quelqu'un... Sont bien trop occupés pour nous présenter un danger. Le boss est même pas mort en plus, le boss. Donc. Je suis prêt à faire le pogo direct. Moi je dis on fait les mercenaires chez eux maintenant, on fait tout. Franchement on est parti, on va les submerger. Je sais pas où ils sont les gars. Ah, il y a un gars là ici là. Je fais le pogo sur les 4 gars. On manque de dégâts par contre, j'imagine. Au moins tuer un gars quoi. Bon bah c'est bien. Non, c'est bien en fait ce qui se passe là. Vas-y, faut qu'un gars passe la tête. Il y a un gars qui saute sur quelqu'un et je le défonce. Allez le boss, balance un stun ou je sais pas quoi. Non non, retraite. Moi c'est pas grave, moi, laissez-moi. J'ai plus de mana surtout, c'est ça qui m'embête moi. Le reste, je m'en fous, mais... Reculer n'est pas une preuve de faiblesse, mais d'esprit tactique. Non mais là, bon, faut arrêter 2 minutes quand même. Je me prends une chouette, quoi. Et j'allais me barrer peinard et tout, puis je me prends une chouette direct. On va prendre les mercenaires, là. Avec la pédale d'écho, maintenant j'ai de bons dégâts de zone maintenant. Toujours prendre tout ce qu'on peut avant qu'un tribu pop. Comme ça, ils font leur boulot. Allez, on se dépêche, je vais ping toujours. Je vais être sûr que tout le monde me suit. Dans 10 secondes, le pogo, on l'a. Toujours prévenir à l'avance. Voilà, une bonne glissade bien placée. Je m'en fous, je vais mettre Bourbi dedans. Voilà. Et je vais prendre le tribu. À part si Bourbi arrive à revenir. Il me fait peur, Bourbi. Bon bah c'est super. Bah tout le monde est mort, non? Ah non, l'œuf de Bourbi a été détruit, d'accord. Ah bah ça valait le coup de le mettre dans le pogo alors. Bon bah là, normalement, il n'y a plus personne pour défendre tout de suite. Là, la partie, j'ai envie de vous dire, elle est pliée. Hein. Regardez la map comme elle est toute bleue. On push avec tous les mercenaires, ça push de partout. Là, ils peuvent rien faire. Même les tours ne sont pas une protection pour eux, vu qu'on a des mobs. Faut casser la tour, faut casser la tour. C'est l'objectif principal. Là je vais mourir là. Là ils claquent tout ce qu'ils ont.
Je me casse avec une glissade, mais... Genre tirant les morts. D'accord, mais ils m'ont tous focus en fait. Alors là ils m'ont tous focus, du coup ils sont morts. Bah là c'est bon, là, on casse l'idole là peut-être. Ouais non, vas-y, ouais. On se la joue peut-être sécurité, peut-être. L'erreur du débutant, on rush sur l'idole, on la détruit pas, on meurt tous, et puis ceux qui rush. Les mercenaires dans 55 secondes. Faut qu'on récupère cette tour de guerre. Moi je dis on fait le boss, hein. Très bonne idée, très bonne idée. En plus ça tombe bien parce que c'est la tour du bas qui faut détruire. Attention en route là, ouais. Je perds pas mal de vie. Il me faudrait une fontaine. Je vais rester avec ma team, moi. À ce niveau de la partie, moi je vais pas me promener tout seul. Je sais pas ce qu'ils font. Ok. Encore une glissade. Prends le pogo si je meurs. Si elle le ralentit, il meurt. Voilà. C'est GG. Tiens, enfoiré. Bah là c'est bon hein. Je sais pas quoi faire, moi je vais prendre le tribut. Hein. Vous savez, moi être maudit, voilà. Maudit avec un boss qui arrive. La bonne chance pour. Il va prendre les mercenaires, t'as vraiment une très bonne équipe, hein. Très bonne coordination. Normalement, ouais, on finit la partie normalement. Attention à Bourbi, il va essayer de tuer Lunara. Voilà. Faut bien focus l'idole dans ces moments là. J'ai le pogo après la mort hein, aussi. Hein. Donc c'est pour ça que je m'en branle le mourir en fait. Voilà. Voilà c'est bon. GG à tous. Une partie gagnée. Énorme, vraiment très sympa cette partie. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter et à la partager. Hein, et puis mettez un j'aime sur la page Facebook. Voilà, à la prochaine, merci.